Okay? He got it back in that position. Oh my God. I've been playing for more nigga, I'm just trying to get up nigga, tell me why you wanna talk nigga, are you trying to make me more nigga, I've been plotting for more nigga, I'm just trying to get up. Gang members, how the fuck? Ah! It's your day going, man, you boy, give me fucking channel of goddamn video, man, hell up. Gang members, man, Look, man. Jitan did 95 kg versus 58 kg self-defense. YouTube Fight Club 34. How's your day going, man? Hope you guys are doing sexy, doing great. Make sure you subscribe. If you're not, please subscribe. Let's get to 200K, you know what I'm saying? Please join the family, join the vibes. Go in the comments. Tell me some videos to check out. Tell me where you're from. Let's stay sexy with it. And we're going to keep going, all right? Let's start. Let's see what she's talking about. Damn, I actually got my ear vibrating. Oh, it's two different fights? Oh, it's a bunch of fights. Oh. Du monde de KSW Parnasse, Aladdin Parnasse. Pour ceux qui ne connaissent pas, présente-toi. Champion du monde du KSW. Ok. Years old, 86 kilograms, 180 centimeter reach, zero combat experience. Okay. That nigga got FC Baka. 18 years old or so, longer reach, 85 kilograms, zero combat experience. Okay. Is that Logan Paul? That's Logan Paul, right? Donc on verra ce que ça donne. J'ai l'impression que le blanc il est un peu plus de gabarit. Ouh! Non! Ouais. Ouais, ça rigole pas. Ça se voit qu'il a envie de déchaîner. Très belle percute. Qu'est-ce qu'il y a? You gotta do like this. I gotta punch him with this side. Pourquoi il s'est arrêté? J'ai mis sur la pause. On stop? Ok. Un coup de coude? Ah ouais. What happened? Why did it stop? Vu que c'est pas des pros, on change un peu de son. C'est bon. Mais vois qu'ils sont énervés tous les deux quand même. See, they're just charging at each other. See when Ibrahim he fought, he ooh. J'entends. That nigga got long legs. Punch him, nigga, punch him. Yeah. Ouais. Bah en fait. Oh, blah. Oh no! C'était pas mal. He just left his body there to take all the punches. Like, come on, son. Even me, that I don't know how to fight. I know how to block my face. That dude, that white dude, he definitely gets into fighting. He got potential. Look at this. Gasping for breath. That nigga look like Logan Paul. On est avec le vainqueur du premier combat. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Franchement,
Tout est passé comme prévu. Je suis content de moi. C'était pas mal, hein. Merci à vous pour la préparation. Et si vous dites que après moi. T'es un peu essoufflé, repose-toi, allez, mon frère. Bon, les gars, on est avec Benjamin, celui qui a perdu le premier combat. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire? Je suis déçu parce que je me suis très bien entraîné, mais voilà, ça arrive. Je reviens. Et je veux surtout dire merci à l'école. C'est délicieux. I don't understand what they're saying. That my protein. What? My protein advertisement. Advertisement. I know. Ibra TV. Take all the money. Ibra TV. Take all the money. Okay. This is Emmanuel Stone. At age 20 years old, 95 kilograms, 176 centimeters. He's just tall for nothing. Like, he doesn't have even have a long reach. Hands are short. Zero combat experience. And zero fights. The dude that's fighting him can't even get over the barrier. What the fuck? Why would they put this kind of pressure to fight with him? Look at him. He looks like an actor with tattoos all the way down the sleeve. That's fucking crazy. That is fucking crazy. Age 33, 58 kilograms. God damn. This dude was 70 something. 76 kilograms. This one is 58 kilograms and 162 centimeters. Oh my God. This is about to be deadly. Look at where he's even dressed. Why do you want to do this to yourself? This is scary. Donc les gars, là c'est un petit peu un combat un peu exceptionnel. Comme vous avez pu voir, il y a deux gabarits différents. Un gros poids lourd, un bagarreur de rue, ce qui sait faire bien les gitans. Donc voilà, contre un mec poids léger, mais qui sait faire seule défense. Il a dit, je vais prouver que même on est poids léger, on peut maîtriser des poids lourds. C'est pour ça qu'il a pas mis les gants. Il a dit, je vais même pas mettre un coup avec les gants, c'est ça ou pas? Comme vous avez expliqué, il y a un bagarreur de rue contre un pro de seule défense. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que les gabarits, ça va en jouer si ça joue? Oh, quelle faveur! Russia really understood that, but because they have no experiences. Il a peur. He doesn't even have a. Oh, il a peur de l'approcher, je crois. Il a peur de l'approcher. Laisse, laisse. C'est quoi? He's still holding on to him. Même position. This is going to be a good fight. Retourne. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est ouf. C'est ça qu'on voulait voir. J'avais juste peur que Mathieu arrête un peu avant. Là. Oh
1, 2, 3. Oh non, Mathieu, arrête pas. Faut pas qu'il arrête, Mathieu. Voilà, voilà, c'est ça. This gold. Oh my God. Super. J'aime ça. Ah ouais, elle est fatiguée. Ah ouais, elle est morte. Je sais pas si va tomber. He's tired, that nigga. Ow. What the fuck? Lui, du courage. Courage contre. He wasn't expecting that. 2-0. On va voir si ça donne rien. Non, ça va, il est pas fatigué, le petit. Lui, ça y est. Il a compris que. What is man gonna do? What is he gonna. Oh! Got his ass. Oh! Là, il va retourner sur lui. Là, s'il retombe sur lui derrière, ça va être ouf. Mais il avait dit, je m'en mets 80 kilos, 90 kilos, je prends. Faut pas abuser après. Ouais, mais tu vois, il a dit, vas-y, 3 combattants en même soirée. Donc, je dis, vas-y, on va en donner une pour voir ce que ça donne. Ouais. Pour l'instant, il tient. Pour l'instant, il s'en sort. Ouais. Oh non. Il faut qu'il passe derrière. Mais franchement, bravo à lui quand même. Hein. Il va passer, tu penses? Ouais, je pense aussi. Là, il est en train de gratter centimètre par centimètre. Là, l'autre, il appuie avec son poids. C'était de la vraie pute. En fait, sur le côté, tu vois, la jambe est accrochée, il s'est passé sur le côté. Ouais. Ah, regarde, il dit que c'est bon en fait. Il est en train de le caresser. Ouais, il est chaud. Ouais. Il est sûr de lui, Je te jure. Là, c'est un combat qui est très intéressant. Ah, il a deux doigts le retourner. Il est en train de créer. Ouais, franchement, ouais. Il est en train de créer l'espace pour attraper, je pense. Ah ouais. Ouais, il a moins de temps parce que là, il commence à fatiguer là. Tu as à force d'être crispé. Ouais. Voilà. Soutenez les combattants. Ok. He got him back in that position. Oh my God. He got him back in that position. Ouais, mais laisse pas le frapper, il est en train de, tu vois, dans tous les sens. Et dès qu'il lui tape, il attrape son bras et tout. C'est pour ça qu'il était sûr de lui. Ah, triangle. Il y aura-t-il triangle. Jumbo, t'as dit? Il y aura-t-il un triangle là? Quand même, ça se voit qu'il est assez sûr de lui. Il manque un petit peu, je pense. Oh my God, he's holding him like this, like a bitch. Il n'arrive même pas à prendre les noms pour le battre. Yo! The big dude wasn't expecting non, this. Non, c'est genre qu'il est the mort, big dude needs mort. To kick him away when he's running towards him. Vu, just use his leg and just push him back. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Mal à la main. Hop. Je sais pas. Ah ouais. Silence, les gars. Attendez. La main. Wow. C'est pas possible. Comment tu fais? William, viens ici, mets-toi au milieu.
T'es venu, t'as prouvé que pour toi, gabarit, ça ne veut rien dire. Tu sais que grâce à toi, tu vas inspirer beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément de gros gabarits. Tu vas inspirer d'avoir confiance en eux parce que contre un mec bagarreur comme ça, tu t'en sortis et t'as même gagné, tu vois ce que je veux pas. Donc franchement, merci d'être venu. Merci pour ton courage. Ouais. Tu nous avais promis un peu ça et t'as montré. Je pense que c'est une leçon même pour nous tous ces grands sportifs. Exactement. C'est, vous savez, vous comprenez, je sais pas si vous réalisez, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est juste incroyable, les gars. Je vais dire encore plus, si vous voulez faire 3 combats même soirée, voilà, j'ai d'abord déjà fait un, on verra par la suite. Mais bravo à son adversaire aussi. Bah oui, il est sorti. Parce que, voilà. Même, il est venu, il est arrivé. Malgré tout, il s'est donné. Donc merci à son adversaire. S'il n'avait pas cet adversaire-là, il n'aura pas pu montrer jusqu'à où il peut aller aussi. Exactement. Donc voilà. Lui, il avait tout à perdre, rien à gagner. Moi, j'avais rien à perdre. C'est vrai. J'aurais perdu, ça aurait vraiment pu dire. C'est vrai. Mais j'aurais gagné, là. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas d'excuses dans la vie, parce que quand on a des objectifs, quand on veut montrer quelque chose, on peut le faire, c'est dans la tête. Donc voilà, on va laisser des décisions par Mathieu. Après, on va laisser parole à toi et à l'adversaire aussi, ok? Suite à une blessure, vainqueur par TKO, deuxième round, William. Les techniques de self-défense que je voulais montrer. Conditions réelles, pour un poids plus léger peut se défendre contre un agresseur de rue. Un agresseur de rue, ça va être quelqu'un qui va pas être technique. On peut le voir dans plein de vidéos qu'il y a sur YouTube d'agressions, vraiment des agressions gratuites où la victime n'a rien demandé du tout. On voit que c'est des gens qui sont pas techniques. Vous avez pu voir que j'ai mis aucun coup, j'ai réussi à me protéger, j'en ai pris aucun. Quelques coups que j'ai pris. Quelques quand même. Voilà, j'en ai pris quand même un ou deux ici. Et je veux dire, j'ai rien pris au visage quoi. Si vous voulez apprendre les techniques que j'ai montrées aujourd'hui, c'est sur mon site internet sautodéfendre.fr et ce sont des techniques de jiu-jitsu brésilien. Wow, I underrated him. Également parce que I underrated this nigga. Malheureusement, il a perdu, il s'est blessé à la main. Là, il est à l'infirmerie. Après, s'il a un mot à dire, il viendra devant la caméra. Toute personne qui veut défier William, vous êtes les bienvenus. Comme on vous dit dans YFC, il y a toujours de nouvelles choses. C'est incroyablement incroyable. Merci. Donc, vraiment, grand respect à toi. Bon, les gars, on va passer au prochain combat. C'est parti. This is full boxing. This nigga is tall. 18 years old. 73 kilograms, 190 centimeters, one combat. Okay. That nigga walking different. Okay. Zazu. 23 years old, 75 kilograms, 175, 2 combats. So I can't know why they rushing. Islamchid.95. 2 combats. Okay, he got experience. You can see it on his face too. Okay. C'est MMA. C'est un Tchétchène. Ok. Il a déjà fait 4 combats, je crois. Oh. Il a gagné 4 combats. Il a gagné. Oh, ok. C'est des more experienced fighters. Oh. Gabarit, il est différent. He has killed him. He has murdered him. He has caused him emotional damage. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ah ouais, you saw that? T'as vu ça? Ouais, il a fait quoi? J'ai même pas vu! J'ai pas vu! Salut toi! That left hand, bro! Chechenya! He's Russian! These Chechen niggas, bro, they fight like monsters! Non, mais il est mort, ça y est! Look at this nigga, middle of the match! Suite à une blessure de Fares, le combat est un no contest et il y aura une revanche! Les gars, on a pas du chemin!
No contest, they'll have a rematch. Après avoir regardé les ralentis, on ne peut toujours pas savoir si c'est un doigt ou c'est un coup. Donc pour pas trop s'avancer, on va faire une revanche, c'est mieux. Moi je m'en veux parce que en fait je sais pas trop ce qui s'est passé dans la foulée d'action, l'adrénaline, tout ça, je sais pas. Et c'est pas bénin, c'est pas rien, et du coup bah voilà, rejoins. Nah, nigga, that was a punch. Vraiment respect à toi et à la revanche on verra tout. Hein. Et les gars, maintenant on est avec Fares. D'après lui, il a pris un doigt dans l'œil, donc ça veut dire il va donner sa version. J'ai sorti, il m'a mis un coup, mais il m'a mis le doigt. Il l'a pas fait exprès, hein. C'était pas mon terme, mais il m'a mis quand même un doigt dans l'œil. Là j'ai une petite coupure, on a vu une voix longue avec le docteur. Donc voilà, pour une éventuelle revanche, je suis partant. Bon les gars, on va passer au prochain combat. C'est parti. Les gars, il a fini les mains. Ok. I think I've seen this nigga fight before. Wait, what was that? How many? Zero combat, 80 kilograms, and I haven't seen him fight before. Okay. 18 years old, 187. Okay. C'est bon, merci les gars. I hope he get his ass whooped. So no shoes, it's just boxing. Oh, oh. Ça vise pas jusque là normalement. Normalement ça vise pas, c'est très bien, je sais. Oh, okay. Je pense qu'il va le manquer un peu de sens. Oh my god, oh my god. Oh, okay, okay, oh, okay. Why are they doing each other dirty like this? Oh, gee. They got good defense. They put their head, they put in their hands up. Oh, oh, come on, he's swinging like a bitch. I didn't punch him like that. Stay in the middle, man. This match is boring. God damn. Nah, he doing. He the one doing. Oh my god. Ouais, franchement, il faisait bien le niveau. Ouais, ouais franchement, ouais. Parce que là, il a changé plus de... L'autre est ouvert aussi. Akush Hawede, Hawede, Akush Hawede.
He's killing this dude. Oh my god. Oh my god. Bloody. Ooh. 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 One more punch on it. Oh. Oh my. Deuxième round, Axel. Félicitations. Les gars, on est avec Axel, le vainqueur de ce combat-là. T'as certainement des choses à dire. Ben, jeune Toulouse, Tactical Fight Team. Suivez-nous parce qu'il y a de la bagarre. Ils sont là aussi, en professionnel, en amateur, en MMA. Et là, je vais me lancer en barnacle, donc restez connectés. Ça va pas taper fort. Le shérif est là. Non, franchement, félicitations, très beau combat. Au début, il a été dominé. Et après, bah, retournement de situation, il a dominé. Il était definitely dominé. La bagarre, donc. La bagarre, c'est la bagarre. Ouais. Félicitations à toi. Merci, c'est cool. Bon, les gars, on est avec Denis, celui qui a perdu le combat. Bonjour. Man, put your shoulders down, nigga. En fait, j'étais malade. En fait. You got your ass hanging. Oh, he's still bleeding. Okay. Oh, this is an embarrassing video. On va le faire le vrai. This is embarrassing. Look at how that nigga's looking at him. Non, franchement, il a pas à être déçu parce qu'il est resté jusqu'à la fin. Et contrairement à ce que la plupart font lorsqu'ils sont assis sur le foin, il s'est pas jeté en arrière pour gagner du temps et arrêter le combat. Il est resté. Il a subi les coups. Il a perdu malheureusement. Pourquoi pas revenir? Félicitations à toi. Franchement, respect. Et maintenant. Prochain combat, les gars. Burger, burger, burger. That shit just got me hungry. But hey, man. That was a beautiful video. That was, let's take it away from this burger. That was enough from his face, too. Okay, yeah, we can laugh at this. But hey, man. Gang, gang, gang. That was amazing. That was beautiful. That was hard. You know what I'm saying? I definitely enjoyed every second of that video. He killed it. If you guys enjoyed it, man, if you're new, please subscribe. Tell me some videos to check out and comment, okay? I'm high. I love you guys. I'll see you in the next video. All the time. Let's get to it. I think I drank too much. What? I think I like that. I think I drank too much. I think I drink too much, eh? I think I drink too much, eh? I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off?